Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de jeux vidéo. Et oui, je viens de recevoir ça aujourd'hui. Ah, c'est Noël, hein. Ça arrive, il y a plein de choses qui arrivent. On va commencer tout de suite à déballer. J'ai reçu ça de chez Pix & Love. Je crois que tout le monde connaît, hein, une maison d'édition française qui font beaucoup de bouquins sur dans l'univers des jeux vidéo. Et un peu de manga aussi, mais surtout jeux vidéo. Et là, ils sortent des coffrets de jeux vidéo aussi. Hein. Et là, c'est le Windjammer. Même le Frisbee Rose. Excellent. Windjammer, un jeu qui était sorti sur Neo Geo à l'époque. Il y avait le 1 et le 2. Et là, ils ont sorti une édition. Je crois que c'est PS4. Hein. Avec les boîtes Neo Geo. On peut voir, hein. La boîte est très belle. Bleue. Et je crois qu'il y a le 1 et le 2. Windjammers. Ouais, c'est le 1. Oui, bah ouais, c'est le 1 et le 2. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais ça fait tellement longtemps que... Bah maintenant, on préco les choses et... L'attente est tellement longue. Oula, j'ai failli arracher la boîte, ça va bien. Je commence à... Alors on voit... Hein. Bah, je vais l'ouvrir, comme ça on verra mieux. Allez. Déblisté. Ah, j'ai failli arracher le plastique, la boîte. Voilà, ces deux jeux. La boîte est très jolie. Hein. Qualitativement, c'est top. Vert solide. On voit Windjammer, Flying Power Edition. On va sortir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, on a deux boîtes Neo Geo. Je trouve ça vraiment excellent. Elles sont belles, ces boîtes. Ouais, c'est vraiment des boîtes Neo Geo. Hein. Et là, c'est des versions PS4 dedans. On peut voir que c'est des versions PS4. Qu'est-ce qu'on a? Le jeu. Hein. Le jeu, je crois qu'on peut acheter que le jeu. Mais ils sont disponibles en téléchargement déjà, les jeux. Et là, ça va être un CD de musique, sauf erreur. Ouais. CD de musique dans un petit carton. Et là, il y a un petit fourreau, vous voyez. Avec le mode d'emploi qui est en couleur. Ça, c'est chouette, hein, comme à l'époque. À l'époque, il y avait partout des modes d'emploi en couleur dans les jeux Mega Drive, les jeux Super Famicom et Super Nintendo. Bon, Super Nintendo, c'était moins joli. Les versions japonaises, vraiment mieux illustrées, je trouve. Et ouais, c'est vraiment beau. Hein. On peut voir le livret en couleur. Bon, j'ai le couteau avant que je me coupe les doigts. Et là, je crois qu'il y a un poster. Non, c'est des cartes. C'est des cartes. Bon, après, ces cartes, moi, jamais compris. Un poster, je trouve ça cool, mais alors les cartes... Tu les gardes une fois. Après, ouais, super, quoi. Tu fais quoi? Tu les lances? Je sais pas. Voilà, quoi. C'est des cartes. Après, ça peut faire une déco. On peut les mettre au mur, je sais pas. Mais un poster, je trouve que c'est un peu mieux. Ouais. Après, peut-être il y a des gens qui adorent ces cartes. Hein. Moi, je comprends pas l'utilité. Voilà. Mais les boîtes sont chouettes. Hein. Les boîtes sont vraiment chouettes. Windjammer, ça c'était le premier. Et le 2. La même chose, hein. Le jeu. Je les ai testés, ils sont vraiment cool. Hein. Les jeux. Il y a mon chat qui est en train de faire le con. Il adore les chats et les cartons. Hein. Tout m'arracher. Je m'excuse pour le bruit, c'est mon chat. Voilà, aussi le CD de musique, les cartes. Bon, je vous les montre vite fait, bien fait. C'est les persos. Hein. C'est les persos. Tac. Tic tic. Voilà, et il y en a encore un. Oh non, il y en a beaucoup là. Oula. Ah, c'est la fête, là. Il y en a combien, là? 1, 2, 4, 5, une dizaine. Ouais, non, pas mal.
Voilà. On va mettre ça comme ça. Et voilà aussi, bien illustré, hein, superbe, comme à l'époque. La classe, comment jouer, tous les persos, les pays d'où ils proviennent. Franchement, écoute, je descends là. Franchement, la classe, moi j'aime bien. Un très joli coffret. Ce jeu à deux, il est excellent. J'en ai passé à l'époque, j'ai un ami qui l'avait. Moi, à l'époque, j'avais pas la Neo Geo. Maintenant, je l'ai. Hein. Mais à l'époque, je l'avais pas. C'était beaucoup trop cher. Console de luxe. Hein. C'était la borne d'arcade à la maison. Quoi. J'ai un ami qui l'avait. Et on en a fait des parties. Vraiment, vraiment un bon jeu. Voilà pour ces deux jeux PS4. Bon, qui vont aussi sur la PS5, hein, bien sûr. Ah oui, et puis on a oublié le... Ah, puis c'est numéroté. Il y a 1000 exemplaires. J'ai le numéro 922, c'est un gros numéro. J'ai le numéro 922 sur 1000. Il y a 1000 exemplaires. Voilà, la carte. Bon, c'est pas beaucoup, 1000 exemplaires. De ce coffret Windjammer, édition Pix & Love. Et il y a un livre dedans. À mon avis, c'est... est-ce que c'est l'histoire du jeu? Ouais, il y a tous les persos. Vous voyez, on feuillette un peu, hein. Bon, je vais aller vite, hein. Tous les persos, les designs des persos. Les coups, les attaques. Ouais, c'est tous les sprites en fait sont dessinés. Ah puis il y a une... Oui, ouais. Il y a aussi du texte, à mon avis, ils expliquent comment ils ont fait les persos ou tout. Ouais, bah, je vais feuilleter tout ça. C'est toujours intéressant. Moi, je trouve que c'est chouette, tous les terrains. Je trouve que c'est chouette d'apprendre comment ils font les jeux. Ben, Pixel Love, hein, je vous recommande, hein, ils font tous les... Ils sortent c'est tous les 3 mois, une sorte de magazine, un peu plus épais. Hein. On apprend pas mal de choses cool. Là, ils sont quand même... ils ont sorti pas mal de numéros, je crois que c'est le numéro 36, là, au 37. Pour aller voir sur leur site. Voilà pour ce coffret. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. De Windjammer 1 et 2, version Pix & Love, collector limité à 1000 exemplaires. Je ne sais pas s'il y en a encore, hein, faudra regarder sur site, avec le frisbee. Ouais, il fonctionne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et n'oubliez pas le principal, amusez-vous bien. Je vous dis bonne fête et à l'année prochaine ou encore peut-être à cette année. Bye bye.